Si est-il un petit garçon que toute une famille attendait, déjà maman de Trou, 4 ans et demi, Chloé Kardashian a accueilli son deuxième enfant le 28 juillet dans la plus grande discrétion. Né par mère porteuse, le bébé vient en effet seulement d'être dévoilé au grand public, grâce à l'émission The Kardashian, la télé-réalité qui suit tout le clan depuis des années. En effet, dans le premier épisode de la nouvelle saison, sorti ce jeudi sur Hulu et Disney Plus en France, on peut assister aux heures avant l'accouchement, lorsque la trentenaire se met brusquement à paniquer devant l'arrivée prochaine d'un deuxième enfant. Rassurée par sa grande sœur, Kim Kardashian, elle-même maman de 4 enfants, dont les deux derniers nés par mère porteuse, qui lui explique qu'on pense toujours ne pas être prêt, mais quand le bébé arrive, on l'est finalement, la jeune femme vit sa première rencontre avec son fils sous l'œil des caméras. Il ressemble à tout, finit-elle par exulter, avant de se confier plus longuement. Depuis décembre, je me sens déprimée et triste, mais maintenant que mon fils est là, je dois avancer et me réjouir. Si est-il comme si je fermais ce chapitre de ma vie et que je n'avais fini avec tous ces ennuis que je mets derrière moi. Un deuxième bébé dont le papa est en effet Tristan Thompson, déjà père de sa petite Trou. Malgré leur séparation. En effet, usée par trop d'aventures extra-conjugales de son compagnon, mais surtout par un bébé conçu avec sa maîtresse, la plus jeune des sœurs Kardashian avait décidé de le quitter avant de décider d'aller au bout de leur projet de bébé en commun.